ça mieux de travailler tous ensemble dans le même local. La seule façon de connecter comme ça, là, il va rentrer dedans et il va se changer.
aussi, il est connecté maintenant. Sauf que là, il faut que tu le laisses se charger, il est à zéro. Et là, il est connecté. Pour le connecter, tu fais juste le plugger. Après ça, il reste connecté. Donc là, on va prendre 15 minutes pour savoir où charger. Tu viens ici, comme ça. Pas obligé. Ça qu'on le voit pas, mais il va apparaître ici avec le mien, je regarde les disques, là, il est à 100%. Là, je le déconnecte, il est prêt à partir. Là, après ça, il est prêt à partir. Lancé dans les opérations. Oui, oui. Avec un groupe de ça. Ah, je pense que ça va planter comme. J'ai été présenté au conseil du comité amiseur de la toxicomité. Vu que je connais pas les gens. Alors, bonjour tout le monde. On va commencer. Je me présente, je m'appelle Mélissa Généreux. Depuis 3 ans, je suis présidente des Journées annuelles de santé publique et depuis maintenant près de 6 ans, je suis également directrice de santé publique de l'Estrie. Donc, bonjour l'Estrie. Je souhaite évidemment la bienvenue à tout le monde, tous les participants qui sont dans la salle, mais également aux participants qui nous suivent en direct sur YouTube, encore une fois cette année, pour les grandes plénières du matin. Vraiment, ça nous fait plaisir de vous accueillir à nouveau ici à Montréal. Et comme vous aurez la chance de le constater, on est vraiment très nombreux. En fait, on est près de 900 participants aujourd'hui et environ 850 demain. Honnêtement, c'est du jamais vu depuis qu'on est sur 2 jours au niveau des journées annuelles de santé publique. C'est un petit peu un rêve pour un comité organisateur de pouvoir dire qu'on est à guichet fermé. Ça ne s'est jamais vu. Mais en même temps, je suis en mesure de vous dire au nom du comité organisateur qu'on s'adapte à ça parce qu'on ne veut pas non plus freiner l'accès aux gens qui auraient voulu s'inscrire. Donc, dès l'année prochaine, je suis très contente de vous dire qu'on a opté pour 2019 à un retour pour des journées annuelles de santé publique sur 3 journées consécutives. Et ça, ouais, bravo à tout le monde. Ça va nous permettre, ça va vous permettre de se retrouver, avoir plus d'espace, plus de temps de qualité, tout le monde ensemble. Donc, on est très contents de ça et je vous remercie au nom de toute l'équipe de votre intérêt, de votre grand enthousiasme pour les journées annuelles de santé publique, là, qui est un événement incontournable à mes yeux. Et cette année en particulier, pour les 22e édition des journées annuelles de santé publique, la thématique qui a été choisie par notre comité organisateur est particulièrement emballante et au goût du jour. Ça s'appelle « Dessiner demain ». Donc, évidemment, un thème qui est orienté vers l'avenir, vers le futur. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé publique, on doit toujours laisser la place à l'innovation. On doit toujours s'adapter à un environnement qui est complexe. On doit constamment demeurer proactif, être capable de déguiser notre capacité à voir venir les choses. Et surtout, ce qu'on ne doit pas faire, c'est être sur le pilote automatique. On ne doit pas faire les choses juste parce qu'on les a toujours faites ainsi. C'est ça le propre de la santé publique.
Dessiner demain, c'est évidemment prendre en considération les grands changements auxquels on fait face. Donc, bien sûr, vous direz les changements au niveau planétaire, mais aussi les changements au niveau sociétal et les changements au niveau technologique. Donc, au niveau planétaire, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on fait face collectivement à des défis environnementaux de taille. Et je ne suis pas toute seule à vous le dire, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC de son petit nom, nous le rappelait récemment haut et fort là, à quel point on doit se mobiliser tous ensemble. Et on l'a vu, hein, tout le mouvement citoyen que ça a généré. Donc, je nous invite en tant que santé publique à emboîter le pas. Il y a un momentum extraordinaire là ici à saisir. On doit s'adapter aux différents enjeux de santé publique que posent les changements climatiques, qu'on parle de la maladie de Lyme, qu'on parle des impacts sur la santé physique et mentale, des canicules, des inondations, de tous les autres types d'événements climatiques extrêmes. Et évidemment, on doit aussi réduire notre émission de gaz à effet de serre pour freiner les changements climatiques, que ce soit par la promotion du transport actif, transport alternatif, etc. Dessiner demain, au niveau sociétal, c'est aussi orienter des changements significatifs pour les grands dossiers qui touchent notre société, que ce soit le vieillissement de la population, que ce soit le mouvement migratoire, hein, qui devient de plus en plus important, que ce soit les inégalités sociales ou l'isolement social qui persiste malgré nos efforts, et aussi que ce soit les substances psychoactives qui prennent de plus en plus d'espace dans notre environnement. Enfin, dessiner demain au niveau technologique, c'est d'exploiter pleinement toutes les possibilités qu'offrent les technologies de l'heure. Oui, on a beaucoup parlé des médias sociaux, mais il faut aller plus loin que ça. On veut parler d'intelligence artificielle, on veut parler de machine learning, d'algorithmes prédictifs, d'objets connectés et sûrement plein d'autres trucs que j'ignore encore, mais dont on va entendre parler ce matin. Donc, tout ça nous offre un potentiel incroyable pour nous aider à mieux atteindre nos objectifs de santé publique, mais en même temps, ça appelle à une certaine vigilance de la part de la santé publique pour être alerte face aux effets pervers potentiels. Donc, comme vous dites, dessiner demain, c'est au cœur de la programmation de notre d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour aujourd'hui, on a différentes thématiques qui seront exploitées comme la mobilité durable, les zoonoses, des sujets de l'heure comme pesticides, violences sexuelles, santé cognitive. On va aussi parler de génomique, de révolution numérique. Donc, tout ça en une seule journée imaginée. On a aussi deux grandes plénières qui sont tissées autour du thème « Dessiner demain ». Donc, dans quelques instants, vous entendrez parler d'un sujet fort fascinant, l'intelligence artificielle, avec une chef de file mondiale dans le domaine. J'ai très, très hâte de l'entendre. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus logistique, sachez que toutes les informations par rapport aux salles, aux horaires sont disponibles, oui, dans un guide papier, mais aussi on fait un pas vers un mode un peu plus écologique, plus technologique aussi. Donc, pour la première fois cette année, on a une application mobile, c'est Event Mobi, je crois que c'est sur l'écran ici. Donc, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone mobile et le mot de passe, c'est JASP, tout simplement. Pour ce qui est de l'heure du dîner, puisqu'on est victime de notre succès avec le nombre de participants, on aura deux salles. Donc, il y aura la salle ici même et les salles Saint-Laurent 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment libre à vous de choisir. Et surtout, je vous en voudrais de manquer le 5 à 7 ce soir. Je ne sais pas si on va pouvoir l'appeler le légendaire 5 à 7, qui est une activité incontournable pour le réseautage. Parce que, oui, on vient ici pour apprendre, on vient ici pour se former, mais on vient ici aussi pour se rencontrer, échanger, se revoir, etc. Donc, je vais terminer en remerciant vraiment chaleureusement les plus de 200 conférenciers, les responsables d'activités, les comités scientifiques qui tous ensemble ont fait un travail remarquable au cours des derniers mois. C'est incroyable et c'est grâce à eux qu'on est en mesure aujourd'hui d'offrir une programmation de si grande qualité et si pertinente. Merci beaucoup. Et je veux aussi, évidemment, souligner l'implication assidue de tous nos partenaires du consortium. Donc, évidemment, on parle des CIS et des CIUS et de leur direction de santé publique. On parle de l'Institut national de santé publique du Québec, du ministère de la Santé et des services sociaux, de l'Association pour la santé publique du Québec, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Institut de la statistique du Québec. Et encore une fois, on est très content de pouvoir compter sur la précieuse collaboration de l'Agence de la santé publique du Canada. Un grand merci. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Richard Côté, qui est médecin conseil et président scientifique principal des JASP. Et je vous souhaite vraiment à toutes et à tous de magnifiques JASP. Venez vivre pleinement l'expérience JASP et j'espère que vous sortirez d'ici portés par un élan vers demain. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Combien parmi vous, pour combien c'est la première fois au JASP? Peut-être les lumières un peu pour qu'on voit, là, parce que là, je vois pas. Régisseur, s'il vous plaît. Non, pas de lumière.
Bon, j'en vois quand même, j'en vois quelques-unes, même malgré nos morceaux. Écoutez, bienvenue, je pense que Mélissa vous a communiqué, en fait, toute l'énergie qu'on a pour préparer ces JASP. Alors, effectivement, donc, deux journées, une vingtaine d'activités thématiques. Et j'en profite à nouveau pour remercier les personnes qui sont responsables, avec leur comité scientifique, d'organiser chacune de ces journées. C'est un travail fantastique, c'est un gros travail. Donc, je pense que ça vaut la peine, effectivement, d'en faire part. Nous espérons, effectivement, que la programmation que l'on choisit, en fait, mais qui nous est proposée et qu'on revoit, sache vraiment répondre à des besoins de formation continue. C'est l'objet même des JASP, donc la formation continue pertinente et enrichissante en santé publique. Merci, en fait, également aux membres du comité scientifique des JASP. Encore là, ce grand comité-là est là justement pour nous guider, pour nous assurer de faire les meilleurs choix pour votre formation en santé publique, et ce, à chaque année. Merci également à mon équipe du tonnerre, donc les abeilles qui, derrière tout ça, parfois invisibles, travaillent pendant toute l'année pour nous permettre effectivement de lancer cette programmation et cette organisation qui n'est pas simple, vous pouvez vous en douter. Enfin, aujourd'hui, alors, vous aurez effectivement quelque chose de nouveau. Il y aura, comme d'habitude, au Salon des exposants, donc les affiches, les communications affichées, et également les stands des exposants. Mais nous avons innové au niveau de la relève en santé publique. Donc, la relève, les étudiants ont monté des vidéos qui seront possibles de regarder sur des bornes vidéo. Et sur l'heure du midi, vous pourrez même rencontrer des étudiants et le responsable du jury qui a effectivement sélectionné ces projets, c'est le professeur David Martin-Milot qui sera là à chaque midi avec ses étudiants, donc probablement vers les 13 heures. Alors, je vous invite, et c'est dans la salle, Saint-Laurent, 4 à 7, où le café vous sera également servi. Mais j'insiste pour effectivement aller voir ce que la relève a préparé. Nous sommes, j'imagine, au moment des conflits d'intérêts qu'on doit absolument divulguer, donc au niveau du comité organisateur, du comité scientifique et du conférencier invité. Mélissa vous en a parlé, donc l'édition 2019 sur 3 jours. Les appels de propositions sont maintenant ouverts. Donc, on a prévu effectivement ouvrir tôt, finir un peu plus tard, soit le 21 janvier 2019. Donc, à tous ceux et à toutes celles qui auraient le goût, effectivement, de tenter l'expérience, si on ne l'a jamais fait, vous avez effectivement plus de temps pour le faire et nous serons très heureux d'accueillir vos propositions pour les 3 jours de 2019. Toutes les informations sont disponibles sur le site web des JASP. Enfin, nous en sommes rendus effectivement à présenter notre conférencière plénière. Madame Joëlle Pinault, trois éléments à dire sur elle. Premièrement, directrice du laboratoire Facebook en intelligence artificielle, laboratoire qui est à Montréal. Elle est professeure agrégée en sciences informatiques à l'Université McGill et co-directrice du laboratoire Raisonnement et apprentissage. Alors, Madame Pinault, effectivement, sur le thème de dessiner demain, va nous traiter de la révolution de l'intelligence artificielle, son application en santé et également en santé publique. J'inviterai, sans plus de préambule, Madame Pinault à venir sur le stade. Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Et puis de vous parler un petit peu d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner certaines perspectives sur les bases techniques et puis ce qui s'en vient au niveau du développement scientifique. On attend une petite seconde, je ne sais pas si on va avoir les slides qui accompagnent la présentation, c'est toujours plus intéressant.
significative. On entend parler des voitures autonomes qui seraient en train d'être développées. On en voit déjà pour ceux qui vont se promener en Californie, parfois en se promenant sur l'autoroute, là, on en voit quelques modèles. Ce qui est intéressant de considérer dans ce type de technologie, c'est que, oui, il y a beaucoup de progrès, mais le progrès arrive de toutes sortes de directions. Donc, en particulier, on a vu beaucoup de progrès dans les dernières années sur la capacité des machines à comprendre l'information visuelle. Qui peut-être va être familier à certains d'entre vous, c'est-à-dire les fameux chatbots qui se retrouvent sur nos appareils électroniques, que ce soit nos téléphones, que ce soit quand on va à l'Internet, essayer d'avoir un petit peu de service à la clientèle d'une compagnie ou d'une autre. De plus en plus, on a l'impression, et puis avec raison, qu'il y a un algorithme derrière l'autre côté de la conversation. Cet algorithme-là est capable de traiter certaines informations, pour l'instant encore assez superficielles, et puis dès que la problématique ou la conversation devient un petit peu plus compliquée, là, souvent il y a un humain qui embarque, mais de plus en plus, je dirais que les machines vont prendre le relais pour traiter certains cas. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on observe, c'est que dans le cas des systèmes de dialogue intelligent, il y a toutes sortes d'étapes technologiques qui sont nécessaires afin d'avoir un produit complet. Donc, la première étant la reconnaissance de la parole, qui est une technologie qui a beaucoup évolué dans les dernières deux décennies. La deuxième étant la capacité, à partir d'un texte, de saisir le contenu du texte, les éléments essentiels, de ressortir les formations qui est importante, qui est pertinente. Puis l'autre capacité, c'est de générer une réponse dans un langage que la personne va comprendre. Donc, c'est toutes des problématiques assez intéressantes sur lesquelles on travaille dans nos laboratoires chez Facebook, ainsi que dans plusieurs laboratoires ailleurs, en université, dans l'industrie. Alors, j'ai promis de faire un petit peu un portrait du domaine. On parle d'une révolution industrielle. C'est-à-dire, il y a à peu près 100 ans, la révolution industrielle, c'est vraiment une période où est-ce qu'on a vu de plus en plus un déplacement entre l'humain qui accomplissait des tâches mécaniques, physiques, et puis la machine qui prenait le relais. La machine accomplissait ces tâches-là physiques, mécaniques. Alors, dans ce cas-là, ce déplacement de capacité de l'humain à la machine a eu lieu dans plusieurs sphères. On l'a vu surtout dans le milieu industriel, dans les usines, dans les mines, ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de révolution de l'intelligence artificielle, on pense aux capacités cognitives des humains. Il y a de plus en plus certaines capacités, en effet, cognitives qui sont associées avec les humains, sont remplacées, supplémentées, complémentées par des capacités cognitives du côté des machines. Non seulement ça, c'est aussi un cas où est-ce que ces capacités cognitives sont remplacées dans plusieurs sphères de l'industrie et de la vie publique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de révolution. Maintenant, l'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il de façon un peu plus précise? Le terme lui-même, intelligence artificielle, c'est un terme qui date de, on peut vraiment le lier à un événement précis, 1956, à l'Université Dartmouth aux États-Unis, nord-est des États-Unis, pas très loin, là, pour ceux d'entre vous qui prennent parfois la route vers Boston. Alors, une petite ville universitaire, où est-ce qu'il y avait un chercheur qui s'intéressait à ce moment-là à des questions qu'on appelait la cybernétique? Ce chercheur décide de lancer une invitation à une quinzaine d'autres chercheurs à travers le monde, les invitant à se joindre à lui pour un stage de recherche de 2 mois, pendant lesquels ils allaient essayer de vraiment établir les bases de cette discipline, ainsi que de ressortir avec le nom de la discipline. Donc, une quinzaine des meilleurs chercheurs à travers le monde qui débarquent pendant 2 mois, qui se penchent sur la question. Il faut s'imaginer en 1956, pas de téléphone, pas d'Internet, pas de Netflix. Alors, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de la recherche. Ils en sont ressortis avec vraiment toute la mise en place pour un programme de recherche qui allait après ça occuper les chercheurs pendant les prochains 50 ans. Non seulement ils ont défini la discipline, mais ils ont aussi identifié tous les sous-problèmes qui devraient être résolus pour faire des progrès. Donc, l'idée, c'était d'avoir des machines. Alors, on se replace, il ne devait pas avoir beaucoup d'entre vous qui étaient là en 1956. On se replace à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. En fait, il y avait quelques mainframes, des gros ordinateurs de la taille d'une salle. Il y en avait vraiment
quelques-uns seulement. Alors, il fallait imaginer qu'éventuellement une machine serait capable de faire tous ces sous-problèmes-là. L'analyse d'images, l'analyse de texte, la compréhension d'informations, raisonnement, planification. Alors, ils ont identifié tous ces sous-problèmes-là. Puis, pendant les premiers 50 ans de la discipline, vraiment, les gens ont travaillé à résoudre ces sous-problèmes, mais en communauté assez séparée. Donc, il y avait une communauté qui se penchait sur la problématique de comprendre l'information dans les images, une communauté qu'on a appelée « computer vision », une autre communauté qui vraiment se plongeait sur la problématique de comprendre le langage écrit, donc le « natural language processing », cette communauté-là, une autre communauté qui se penchait sur la question du raisonnement avec l'information. Et puis, ils ont fait beaucoup de progrès dans leur sous-communauté, mais on était vraiment à une grande distance de ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence. C'était vraiment de l'expertise qui sortait de chacun de ces champs-là. Depuis quelques années, on voit vraiment un retour à la possibilité de trouver des ponts entre ces différentes expertises-là et d'avoir une intelligence qui est beaucoup plus communicante entre les différentes spécialités. Et puis, cette possibilité-là de rejoindre les différentes expertises dans un seul système nous vient vraiment de ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, la capacité des machines d'apprendre à partir des données et de se spécialiser, de perfectionner. Donc, cette capacité-là, en fait, c'est une classe d'algorithmes qui vraiment a des applications dans tous les sous-domaines, donc permet de ramasser tous les champs ensemble dans un seul système. On n'en est vraiment pas rendu à l'étape où est-ce que nos systèmes d'intelligence artificielle peuvent se mesurer à l'intelligence humaine à travers plusieurs domaines. Ils le font dans des domaines très spécifiques, que ce soit de jouer aux échecs, de reconnaître certains objets dans des images, mais le faire avec un seul programme de façon très fluide, comme le fait le cerveau humain, on est encore très loin d'être capable même d'imaginer de quoi auraient l'air les algorithmes pour ce faire. À travers cet âge de l'intelligence artificielle, donc, on retourne 1950 jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment eu deux ères assez distinctes. Une première ère que j'appellerais l'ère programmatique. Dans ce cas, on essayait vraiment de développer des systèmes intelligents qui étaient basés, en fait, sur une approche très prescriptive. Donc, les spécialistes écrivaient une séquence d'instructions, une recette, dans ce cas-ci, un programme informatique, mais cette séquence d'instructions était suffisante pour que la machine puisse trouver la solution. C'est une technique qui a été efficace dans plusieurs domaines, entre autres pour développer des systèmes intelligents pour jouer aux échecs. Fin des années 90, un système qui a démontré qu'il était capable de battre les meilleurs humains aux échecs. C'était très efficace. Mais il y a beaucoup de problématiques pour lesquelles cette approche n'était vraiment pas appropriée. Parce que la séquence d'instructions devait être très précise pour que la machine puisse les interpréter. Et puis, il y a bien des problèmes où est-ce que ce n'est pas possible d'écrire de façon très spécifique quoi faire. Je vous donne un simple exemple. Des systèmes qui sont capables d'analyser des images de radiologie et puis de positionner l'emplacement d'un tumeur sur une image. Dans ce cas-ci, d'écrire de façon prescriptive quels sont les signes indicateurs d'un tumeur de façon à ce que ça soit utilisable pour tous les cas de tumeur, dans tous les cerveaux, avec tous les appareils d'imagerie médicale, c'est en fait pas possible. C'est là où est-ce qu'on se retourne vers la deuxième approche, le deuxième paradigme, qui est celui de l'apprentissage automatisé. Dans ce cas-ci, la machine, en fait, est présentée avec plusieurs cas, des centaines, des milliers de cas, des images, où est-ce que l'emplacement du tumeur a été annoté de façon très précise, et à partir de ça, la machine doit elle-même trouver les régularités, les patterns qui sont prédictifs de l'item qui est recherché. Donc, de nos jours, c'est vraiment l'approche qui prédomine dans tout le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a des bonnes raisons pour ça. Si on regarde un petit peu, je vous montre ici une courbe de données assez impressionnante. Dans ce cas-ci, c'est de toutes les données qui sont créées de façon synthétique par les humains, par la société. Alors, on voit différents types de données. Là, en orange foncé, on a toutes les données qui sont liées à plus les sphères qui nous divertissent, les sphères du divertissement. Dans orange plus pâle, on a toutes les images et vidéos, mais qui ne viennent pas nécessairement du monde du divertissement, qu'on retrouve ailleurs, entre autres l'imagerie médicale. En bleu, on a les données de la productivité, donc ce qu'on peut récolter dans nos usines, dans nos systèmes de transport public, ainsi de suite. Et puis en bleu foncé, on a les données qui viennent des systèmes avec lesquels on se promène, les systèmes, donc nos bracelets Fitbit, nos téléphones, ainsi de suite. Toutes ces données-là mises ensemble, là, si on regarde 2018, on est vraiment au milieu du graphique, en plein ici. Là. Le bout du graphique, en fait, c'est 2025.
2025, c'est vraiment pas loin à partir d'aujourd'hui. Puis on voit cette explosion des données produites. Alors, si on pense à pourquoi on est dans une ère où est-ce que l'intelligence artificielle retient tant d'attention, pourquoi on en parle tellement, il y a ce buzz, c'est vraiment parce qu'il y a une impression qu'ici, on est capable d'aller chercher de l'information utile de ces données-là, mais on est capable vraiment de prendre des meilleures décisions et puis de le faire basé sur des données. Alors, cette promesse de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de prendre des données, d'extraire l'information des données, mais après ça, de trouver comment prendre des décisions basées sur cette information qui ajoute de la valeur. Alors, aller chercher de la valeur des données, ça peut être assez large. Il y a une valeur évidemment financière. Plusieurs compagnies s'intéressent beaucoup à cette question. Mais il y a aussi une valeur pour notre société, d'aller trouver comment on peut utiliser ces données-là pour prendre des meilleures décisions, pour améliorer la qualité de soins et éventuellement, j'imagine, les stratégies en santé publique. Laissez-moi prendre quelques minutes pour vous donner un petit goût de ce qui se passe derrière ces algorithmes-là. On parle beaucoup d'apprentissage automatisé, on parle beaucoup de deep learning, de réseaux de neurones. Alors, je vais essayer de rapidement faire un petit topo là-dessus. Dans le cerveau humain, on a des neurones biologiques. Et puis, ces neurones-là, en fait, reçoivent de l'information. Cette information-là arrive, puis l'information est analysée, puis il y a une réaction chimique, biochimique qui se produit, et puis qui fait que le neurone peut envoyer après ça de l'information basée là-dessus. Alors, quand on parle de neurone artificiel, le processus est assez semblable. Il y a de l'information qui rentre. Dans ce cas-ci, cette information-là est présentée en forme d'équation mathématique. Donc, les paramètres de l'équation déterminent ce qui va se passer à l'intérieur du neurone artificiel, et puis une réponse, un chiffre en sortira. La puissance des réseaux de neurones, tant biologiques qu'artificiels, vient du fait qu'on met plusieurs neurones ensemble et puis qu'on les relie. Donc, les neurones peuvent s'envoyer des messages, alors que chaque neurone artificiel, on peut penser que le neurone, en fait, est capable de calculer une petite fonction, une fonction mathématique très simple ou une seule ligne de code. Quand on les met tous ensemble, on est capable d'avoir une fonction d'une très grande complexité. Puis, plus on en met ensemble, plus on est capable d'avoir des fonctions complexes, donc de représenter de l'information très compliquée. Quand on parle d'entraîner les réseaux de neurones, donc l'apprentissage, c'est qu'il y a un entraînement qui se fait, on parle d'estimer quels sont les paramètres, donc quelle devrait être la force d'activation qui relie les neurones, avec quelle force les messages sont passés. Certains messages sont plus importants que d'autres. Et puis donc, on a des règles à partir de l'apprentissage pour renforcer les neurones qui nous donnent la fonction qu'on essaie d'apprendre. Puis quand on parle des résultats les plus récents, on s'intéresse à des réseaux de neurones qui ont des centaines de milliers de neurones. Donc, dans ce cas-ci, une architecture qu'on appelle le GoogleNet, qui est comme une des meilleures architectures là, pour vraiment analyser des images, plus de 600 000 neurones. Et puis, on parle de 60 millions de paramètres qui doivent être estimés à partir des données. Donc, pour estimer une fonction de cette complexité-là, là, une bonne analogie pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de régression linéaire, entre autres, là, les paramètres, c'est comme les pondérations de votre régression linéaire. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai des millions qu'il faut estimer à partir des données. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'avoir des gros jeux de données pour exprimer des fonctions très, très compliquées. Fin de la leçon un petit peu plus technique, je vous donne quelques exemples de ce qu'on est capable de faire à partir de ça. Donc, quatre images. Le système a été entraîné avec une architecture similaire à celle-ci, entraîné avec un jeu de données avec plusieurs millions d'images. Et puis après ça, on teste notre système pour voir sa capacité à prédire qu'est-ce qu'il y a dans les images. Donc, à gauche, en fait, les annotations qui sont en dessous sont des annotations qui ont été mises par des humains. Donc, on commence avec le jeu de données qui est les images. On demande à des humains d'annoter l'information, puis après ça, la machine doit apprendre d'elle-même à prédire la bonne annotation. Dans ce cas-ci, une image d'une caméra un peu ancienne là, qui a été annotée avec le titre « lens cap » qui convient plus ou moins. Un autre objet ici, on a ici une genre de limace, des poules, ainsi de suite. Puis si on demande à la machine de faire des prédictions, voici ce que la machine nous prédit. Et puis, il faut savoir que dans ce cas-ci, la machine a à peu près 1000 catégories différentes desquelles elle doit choisir les mots. Donc, elle doit regarder l'image puis dire dans ces 1000 catégories-là, dans quelle catégorie on rentre. Et puis, je dirais que la première image, en fait, la machine a peut-être trouvé un petit peu mieux que l'humain de quoi il s'agissait. Dans les trois autres cas, la machine a bien identifié le même mot que l'humain avait identifié.
Donc, assez intéressant. On peut voir aussi certaines des erreurs. Là, la troisième image ici, le deuxième choix de la machine, bon, il y a la limace, mais il s'agirait peut-être d'un zucchini. Puis, pour ceux d'entre vous qui sont dans le fond de la salle, ça paraît peut-être pas tout à fait comme une erreur. De plus en plus, on est capable de connecter des images avec des analyses plus complexes. Donc, dans ce cas-ci, la tâche était non seulement de donner un mot qui décrit ce qu'il y a dans l'image, mais vraiment une phrase complète. Donc, à gauche, la machine nous a décrit assez correctement qu'il s'agissait de deux pizzas qui sont sur un poêle. À droite, on a un groupe de jeunes gens qui jouent une partie de frisbee. Alors, encore là, ce qui est intéressant, c'est que la machine soit capable d'analyser l'information, de voir ce qu'il y avait dans l'image, mais elle a aussi la capacité, dans ce cas-ci, de sortir une phrase qui est pertinente, qui a plusieurs éléments, et puis de le faire en respectant les règles grammaticales. Donc, les phrases, en fait, sont produites dans un langage correct, sans trop d'erreurs. C'est assez impressionnant. Ça, c'est des résultats qui datent à peu près des derniers 2 ans. La machine se trompe parfois. À gauche, ici, on a un réfrigérateur plein de nourriture et de breuvages. Alors, j'espère que ce n'est pas ce qui vous attend pour le lunch aujourd'hui. À droite, on a un autobus jaune dans un stationnement. Bon, pas tout à fait correct. Le deuxième exemple est assez intéressant parce qu'il est révélateur, encore une fois, du type d'erreur qu'on retrouve dans ce genre de système. On peut s'imaginer que dans la banque de données avec laquelle le système a été entraîné, la plupart des images où est-ce qu'il y a un véhicule jaune, il s'agit d'un autobus. Puis surtout des cas où est-ce que la personne a pris le soin de mettre une phrase en dessous, cette association-là entre l'image et la phrase, il s'agissait d'un autobus. Il n'y a probablement pas beaucoup d'images dans la banque de données qui ressemblent à ça. Alors, plusieurs fois, les erreurs qui ressortent de ce type de système ressortent des propriétés des données avec lesquelles on l'a entraîné. On pourra s'en reparler un peu plus tard, là, mais ça mène à des enjeux très intéressants pour savoir comment s'assurer qu'on a des prédictions de qualité pour des cas un peu plus rares qu'on ne retrouverait pas dans notre banque de données. De plus en plus, la frontière, là, ce qui se passe dans les derniers mois, là, la dernière année, c'est vraiment un intérêt à savoir est-ce qu'on est capable de générer des images. Donc, non seulement prendre des images et puis les annoter de façon automatique, mais vraiment générer de façon complètement artificielle de nouvelles images. Dans ce cas-ci, les images à gauche sont des images d'entraînement que notre système a vues pendant sa période d'entraînement, où est-ce qu'il faisait l'évaluation des pondérations des paramètres. À droite, ce sont des images complètement synthétiques qui ont été imaginées par la machine en estimant la distribution d'images possibles. C'est des échantillons de notre modèle. Et puis, à vrai dire, entre les images de gauche et de droite, celles de droite ont un petit peu moins bonne résolution, mais on est vraiment en train de s'améliorer à ce chapitre. Je vous présente deux autres images. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Probablement pas. On aurait l'impression qu'on pourrait les retrouver sur les magazines à l'épicerie. Mais en fait, c'est deux images complètement synthétiques. Donc, ces personnes n'existent pas. Il n'y a personne au monde qui a l'air de ça. Mais par contre, elles sont d'un réalisme assez surprenant. Si vous trouvez qu'ils ont l'air des vedettes de cinéma, c'est pas par hasard. Le jeu de données avec lequel ça a été entraîné, là, c'est un jeu de données qui s'appelle Celeb, qui en fait est composé uniquement d'images de célébrités. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des images comme ça. Mais c'est impressionnant. C'est des résultats qui datent de la dernière année. On est capable de synthétiser des images à cette qualité de résolution. On est capable de synthétiser de la voix aussi avec un réalisme assez impressionnant. Donc, ce qui s'en vient dans les prochains 2-3 ans, là, c'est vraiment la capacité de synthétiser, de mettre ensemble, de synthétiser des vidéos complètement artificielles, ce qui ouvre évidemment la porte à une réflexion sur comment on est capable de comprendre et d'analyser l'authenticité de l'information qu'on voit. Là, on pourra en discuter plus tard de ça aussi. On me demande souvent, quand je viens, parce que j'ai souvent l'occasion de communiquer avec des publics qui sont un peu nouveaux aux idées de l'intelligence artificielle, on me dit souvent, sûrement les machines ne sont pas capables de créativité. Sûrement, c'est encore la propriété de l'être humain d'être assez créatif. Alors, je ne poserai pas de jugement sur la qualité artistique de cet algorithme, mais simplement pour vous montrer un exemple de ce qui se fait aussi en haut, évidemment, des tableaux célèbres de Van Gogh. En bas, ces mêmes tableaux réimaginés par un système d'intelligence artificielle qui avait appris de d'autres peintres, de d'autres styles et qui essaie de transposer l'image de Van Gogh dans un style un peu plus
encore plus créatif que Van Gogh. La plupart des travaux que je vous ai présentés jusqu'à date s'intéressent à des données passives, donc des données statiques. Évidemment, dans plusieurs cas, on a des données dynamiques, c'est-à-dire des données qui changent à travers le temps, des séries de données où est-ce qu'il y a une dépendance entre les observations. Alors, il y a toute une branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, ou aussi l'auto-apprentissage, où est-ce qu'en fait, l'algorithme, la machine est capable de s'entraîner soi-même sur ces séquences-là, ces genres de systèmes qu'on a utilisés, notamment il y a quelques années pour bâtir un système pour jouer au jeu de Go, un jeu chinois, réputé comme étant très compliqué, beaucoup plus que les dames ou les échecs. Et puis en 2016, on a finalement eu un système intelligent qui était capable de battre les meilleurs experts humains à ce jeu-là. Assez impressionnant. C'est aussi le type d'apprentissage qu'on utilise dans nos systèmes en robotique. Je vous montre rapidement ici une vidéo qui sort de mon laboratoire, un projet qu'on a fait pendant plusieurs années pour concevoir un fauteuil roulant intelligent. C'est un fauteuil roulant motorisé, commercial, sur lequel on a ajouté plusieurs capteurs et ordinateurs et systèmes de communication. Il y a un système de contrôle vocal, il y a aussi un système avec interface tactile, où est-ce que l'usager peut indiquer où il veut se rendre, et puis le fauteuil est capable de naviguer de façon autonome dans un espace pour faire une cartographie de l'espace, se retrouver et puis être capable de se diriger vers les différents points choisis pour l'usager, tout en évitant tous les obstacles. Alors, c'est un projet qui a été fait avec un grand partenariat. Ceux d'entre vous qui sont de Montréal reconnaîtront peut-être le centre d'achat Alexis Nion, où on a fait beaucoup de nos collectes de données, où est-ce qu'on a testé le système pendant plusieurs mois. Puis le centre d'achat était un partenaire dans ce projet-là, là, vraiment nous offrant beaucoup, avec beaucoup de générosité, un accès aux environnements. On a essayé d'être digne de leur confiance et de ne pas écraser leurs visiteurs. Alors, à date, on n'a eu aucun problème à ce niveau. Le système performe assez bien. Pour finir, rapidement, je ne m'étendrai pas beaucoup sur le sujet, mais vraiment pour ouvrir la discussion qu'on va avoir suite à ma présentation. Il y a énormément de potentiel pour ce type de technique, que ce soit pour faire de la prédiction de données, que ce soit pour faire l'adaptation de stratégie de traitement. On a eu plusieurs projets dans les dernières années où est-ce qu'on utilise des algorithmes d'auto-apprentissage, apprentissage par renforcement, semblables à ceux qui sont utilisés sur notre robot pour essayer de développer des nouvelles stratégies de traitement pour les maladies chroniques. On a travaillé notamment avec des chercheurs de l'Hôpital neurologique de Montréal pour développer un système de neurostimulation pour des gens qui souffrent d'épilepsie. Donc, un engin de neurostimulation avec possibilité de faire de la stimulation électrique du cerveau en temps réel et puis qui utilise une lecture en temps réel des signaux électroencéphalogrammes du cerveau pour activer les paramètres du stimulateur. On a aussi travaillé avec des gens qui s'intéressent évidemment à offrir des meilleurs traitements pour les personnes souffrant de diabète. Donc, il y a tout un système maintenant qui est en train d'être développé sur le pancréas artificiel, où est-ce qu'une pompe en temps réel peut offrir, que ce soit de l'insuline, du glucagone, et puis utiliser des informations en temps réel sur le taux de sucre dans le sang pour adapter les paramètres des pompes de façon personnalisée et adaptée. Donc, dans tous ces cas-là, ainsi que plusieurs autres, il y a des possibilités intéressantes de faire des partenariats entre l'intelligence artificielle et le monde de la santé. Plus récemment, on a travaillé avec des gens de l'hôpital Douglas pour essayer de prédire pour leur clinique de dépression, à savoir comment on peut diriger les patients de façon plus appropriée selon s'ils ont besoin d'un traitement plus pharmacologique, un traitement plus personnalisé avec la psychothérapie. Donc, essayer d'identifier quels patients sont plus susceptibles de bénéficier d'un type ou l'autre de thérapie en fonction de leur historique de santé. Plusieurs beaux projets en cours à Montréal et puis de plus en plus, on voit des ponts qui se créent entre les différentes disciplines. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler à date avec des gens en santé publique, mais évidemment, je crois que ça me fait plaisir de participer à la discussion et puis de vous aider à explorer les possibilités. À chaque fois qu'on s'intéresse à ces problématiques, ainsi que plusieurs autres, c'est une problématique assez complexe. Donc oui, il y a des points de vue technologiques qui se posent sur la question, il y a des points de vue plus clinique, médicale, qui se pose sur la question. Et puis, il y a des enjeux importants du côté de l'éthique et des impacts sociaux de nos technologies. Alors, on essaie de composer des équipes qui sont capables d'analyser ces différents aspects-là et puis d'informer le développement de la technologie durant tout le cours de la problématique. Ça devient, dans certains cas, très, très intéressant, mais énormément pertinent de le faire
au début du projet. Et puis pas de seulement le faire au moment où est-ce que la technologie est complètement mature et prête à être déployée. Alors finalement, je conclue juste en vous disant que on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. On a présentement un gros congrès qui se déroule pas loin d'ici à Montréal, dans lequel on a eu l'annonce de plusieurs chaires de recherche qui ont été données par le gouvernement canadien, des chaires de recherche en intelligence artificielle déployées surtout à Montréal, Toronto, Edmonton. Donc, on est en train de préparer la relève. Là, si vous avez des projets en tête, des possibilités, on espère qu'on va avoir dans les prochaines années toutes sortes de collaborateurs qui seront capables de remplir cette mission-là. Parce qu'autant nous, on s'intéresse à de la recherche très fondamentale dans le domaine, autant plusieurs des chercheurs sont très, très sensibilisés à l'impact que leurs recherches peuvent avoir dans le milieu plus pratique et cherchent à créer ce genre de collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Pinault. Je pense que, on passe maintenant à la période de discussion. J'ai quelques questions qu'on avait déjà prévues poser à Mme Pinault, mais je vais également inviter des gens dans la salle pendant les minutes qu'on a à également lui adresser quelques questions. La première, Mme Pinault, vous êtes directrice d'un laboratoire Facebook. Donc, ma question est vraiment sur l'utilisation potentielle des informations contenues sur les réseaux sociaux dans le cadre, effectivement, d'enquêtes ou investigations en santé publique. On est habitué, en fait, certaines directions ont des pages Facebook, communiquent avec la population sur certains sujets, effectivement, et c'est très intéressant et pertinent. Ce qu'on a vu récemment, je l'ai vu aux États-Unis, en fait, il y a des chercheurs qui, à la fois, regardent les données de mortalité, morbidité, données sur les services de santé pour un problème donné, mais en même temps, jumellent leurs observations avec des observations tirées des réseaux sociaux, de ce qui se discute sur un sujet en particulier, en disant « voici nos données sanitaires et voici également les données que l'on retrouve et on fait des observations ». Auriez-vous des commentaires sur ce sujet? C'est un aspect très, très intéressant. Il y a énormément de potentiel. Je crois que la littérature démontre de façon assez convaincante que tout l'aspect social, les variables sociales ont quand même une influence très importante sur la santé des gens. Après ça, de trouver une façon d'utiliser cette information-là de façon pertinente et responsable, ça devient un beau défi. Donc, je pense que certaines personnes qui ont utilisé des données des réseaux sociaux pour informer certaines questions. Quand on tombe dans les données des réseaux sociaux, je pense qu'il y a différents types de données. Il faut tout de suite se poser la question de savoir quelles sont les bornes qui sont mises en place pour contrôler l'accès aux données. Donc, il y a une partie des données qui sont publiques, là, dépendant de comment les gens ont mis leur réglage. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont privées. Présentement, je dirais que Facebook, comme compagnie, est très, très conscientisée à savoir comment utiliser les données des usagers et puis s'assurer que l'utilisation des données respecte les souhaits des usagers puis que les usagers sont conscients des décisions qu'ils prennent sur comment les données sont utilisées. Alors, je pourrais imaginer plusieurs projets fantastiques si on avait accès à toutes les données privées des gens, mais en même temps, il y a des très bonnes raisons pour ne pas les faire. Alors, pour l'instant, les projets les plus prometteurs utilisent la portion publique des données qui a été partagée en libre choix par les gens. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de données qui sont partagées de cette façon-là. Après ça, on est beaucoup à s'interroger, à savoir, est-ce qu'on peut avoir des mécanismes plus raffinés pour que les gens puissent exprimer comment ils veulent partager leurs données? Donc, on a vu des cas où est-ce qu'entre autres… avec des données cliniques qui avaient été ramassées pour des études, où est-ce que les conditions éthiques de l'étude dictaient que les données des sujets devaient être détruites après 5 ans d'études, ce qui est assez normal. Mais en fait, les participants trouvaient ça horrible que leurs données allaient être détruites à la fin de cette étude-là parce qu'ils croyaient qu'il y avait beaucoup de valeurs qui allaient peut-être dépasser la longueur de l'étude. Donc, je pense que plusieurs gens sont prêts à partager leurs données quand ils sentent qu'il y a de la valeur qui ressort de ça, soit pour eux-mêmes ou pour leur communauté. Mais présentement, on est dans un modèle assez binaire, là. Soit on partage tout, soit on partage rien. Et puis, on n'a pas beaucoup de nuances parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place les mécanismes. Est-ce que les gens
sont capables de trouver la valeur qu'ils ont dans leurs données. Et puis, c'est là où est-ce qu'on a besoin des conversations avec des gens, des spécialistes en éthique, en communication, en droit, pour savoir comment s'orienter sur ces questions-là. Merci beaucoup. L'autre question, en fait, que j'avais autour du développement des algorithmes, parce qu'on présume qu'effectivement, et vous l'avez très bien démontré, donc on manipule des bases de données gigantesques, parfois hétérogènes, dont il faut avoir l'accès, pour lesquels il faut avoir l'accès. Après ça, effectivement, il faut les développer. Et il faut du financement pour développer ces algorithmes-là. Donc, dans un domaine comme la santé publique, en fait, j'essaie de faire, le lien avec, dans les aspects plus médicaux, donc on peut penser à des compagnies pharmaceutiques qui ont des intérêts, mais en santé publique, donc oui, parfois il peut y avoir des intérêts dans certains domaines comme la vaccination, avec encore là des intérêts. Mais comment voyez-vous effectivement le potentiel de développement d'algorithmes dans des créneaux qui seraient effectivement intéressants pour la santé publique? En fait, je pense que c'est une conversation qu'il va falloir avoir avec plusieurs de vos membres, dans le sens que je suis aucunement spécialiste en santé publique. Donc, pour imaginer les problématiques, il faudrait échanger plus longuement avec vos membres pour vraiment bien cibler les cas. Je dirais une chose que votre question a souligné. Vous avez parlé de données hétérogènes, et puis je crois que c'est souvent le cas, peut-être en santé publique plus qu'ailleurs, où est-ce que les données sont très hétérogènes. Donc, on parle de données de différents types, et puis c'était peut-être pas souligné de façon évidente dans ma présentation, mais en fait, où on en est dans le développement de l'intelligence artificielle, on est beaucoup plus capable de traiter des données homogènes. Donc, dans des cas où est-ce que toutes les données sont des images, on peut faire des prédictions. Dans le cas où toutes nos données sont du texte, du langage, on est capable de faire des prédictions. Être capable de traiter des données très hétérogènes, donc un dossier d'un patient, ou d'être capable de combiner l'information d'un patient, que ce soit ses habitudes de vie avec ses habitudes sociales, avec son dossier médical, de faire le pont entre tout ça. Nos algorithmes, pour l'instant, le font de façon très inadéquate. Il y a quelques essais, il y a des travaux là-dessus en cours, mais je dirais que c'est beaucoup moins convaincant que les choses que j'ai présentées aujourd'hui. Donc, ça reste un défi important au niveau technique, de savoir comment traiter ces données hétérogènes-là. Puis après ça, évidemment, pour savoir comment soutirer de la valeur sociale et clinique de tout ça, il va falloir, je pense, une plus longue conversation. Merci beaucoup. Je vois tout le monde. Tu me vois-tu, toi? Ah bon. Merci. Excusez-moi d'avoir... C'est vraiment la mode de cesser de nous faire des projections tellement intenses. Bon. J'ai accaparé le micro. Marc Dionne, Institut de la santé publique. Je suis impliqué dans les recherches en vaccination puis dans les infections nosocomiales. Trois questions qui s'apparentent justement à l'utilisation des données de recherche. Dans quelle catégorie? Vous aviez quatre catégories. Dans quelle catégorie mettez-vous ces données de recherche? Est-ce que l'intelligence artificielle est actuellement capable de lire des articles scientifiques? Et la question la plus compliquée, est-ce qu'on devrait présenter nos résultats de recherche d'une façon à ce qu'ils puissent être lus par l'intelligence artificielle? Quand je me tape actuellement des articles, je trouve ça très long, je me dis, bon, peut-être que l'ordinateur va trouver ça moins long, mais est-ce qu'il sera décodé, ce qu'on y retrouve? Merci. Disons que je ne suis pas à veille de vous offrir la solution qui vous permettra d'avoir juste un ordinateur, de gérer les articles pour vous. Oui, il y a des techniques, donc je prends les questions un peu dans le désordre, là, mais oui, il y a des techniques qui sont développées pour analyser de façon automatique les articles. On a fait un projet récemment où est-ce qu'on voulait savoir, on voulait développer un index de fragilité pour les gens qui vont... aller en sous opération puis savoir vraiment quels étaient les risques pour chaque individu. Puis on avait très peu de données, on avait, je pense, 80 cas patients, nettement insuffisant pour entraîner un système intelligent. Donc, en fait, on a développé un système intelligent qui allait passer à travers toute la littérature. Dans ce cas-ci, juste le résumé des articles qui est assez structuré, et puis d'extraire quels étaient les facteurs qui étaient prédictibles de fragilité, puis d'essayer de soutirer si c'était un facteur indicatif positif ou négatif, et puis à partir de ça, construire de façon automatique un score, et puis d'utiliser nos quelques données seulement pour valider le score. Donc, pas pour entraîner la machine, mais seulement pour valider le score. Et puis, on a trouvé que le score qui résultait de ça, là, était aussi bon que le meilleur score utilisé cliniquement.
Il y avait 4 scores, en fait, utilisés cliniquement. Le nôtre était aussi bon que le meilleur des 4, mais celui des 4 qui était le meilleur était très peu utilisé dans la pratique. Les 3 autres qui étaient inférieurs à la machine étaient notamment beaucoup plus utilisés. Donc, on commence à avoir des algorithmes qui peuvent soutirer de l'information. C'est un cas. Je ne dirais pas qu'on est capable de le faire à travers tous les domaines et de synthétiser toute l'énorme littérature qu'il y a. Donc, je vous encourage à continuer à écrire et à lire plusieurs articles. Pour après retourner à votre première question qui était « Où est-ce qu'ils tombent les données là, sur mon graphique de 4 types de données? » Ça dépend un peu du type. Certains des données sont comptées dans les données de ce qu'on appelait les « embedded systems », entre autres les données qui viennent des bracelets Fitbit puis toutes les autres qui mesurent un peu l'activité des gens. Et plusieurs autres données tombent plus peut-être dans les systèmes de production, ainsi de suite. Je dirais qu'en général, c'est une petite partie des données par rapport à tout ce qui est récolté dans la société. Donc, ça apparaît moins que d'autres si on compare avec toutes les milliers d'heures de vidéos là, qui apparaissent sur YouTube tous les jours. Ça prend une plus grosse partie du graphique. Peut-être moins de valeur. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être une dernière question avec l'heure, malheureusement. On pourrait passer plus de temps, mais voilà. Dernière question. Peut-être un petit peu du côté de la science-fiction, Pierre D.S., Chaudière-Appalaches. On voit qu'on est dans l'intelligence artificielle du côté cognitif. On peut imaginer des applications peut-être pour analyser, évaluer des risques, des options de gestion de risque. Est-ce qu'il y a un champ qui se développe au moins conceptuellement sur l'intelligence affective? C'est très intéressant. La perception du risque et les choix que les humains font. Oui, c'est très intéressant de savoir comment on interprète cette notion-là de façon dans un langage que la machine comprend. Il y a différentes façons. Donc, nos algorithmes sont entraînés avec un objectif. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés à essayer de réussir à un objectif précis. Puis quand j'ai parlé des systèmes d'apprentissage par renforcement, d'auto-apprentissage, on a l'occasion de présenter à la machine, en fait, un système de récompense, de conséquences, et puis la machine maximise cette fonction-là. Alors, c'est le cas où est-ce qu'on peut entrer des facteurs plus affectifs dans cette équation-là, mais encore là, il faut savoir les quantifier. Donc, il va falloir savoir comment quantifier que ce soit le risque, que ce soit l'impact affectif sur certains usagers. Il faut être capable de l'interpréter de façon mathématique. Puis c'est là où est-ce que des fois, il y a un gap là, entre ce qu'on perçoit comme humain et puis ce qu'on est capable d'aller codifier dans un langage que la machine comprend. De plus en plus, les gens s'intéressent à savoir comment on peut faire ça. Il y a des systèmes qui s'intéressent, entre autres, à reconnaître de façon automatique les émotions des gens, que ce soit sur le visage, que ce soit à travers leur voix, leur discours, et d'utiliser ça pour diriger l'apprentissage de la machine. Donc, on peut s'imaginer qu'on dirige l'objectif vers une population de gens plus heureux. Mais de codifier ça dans un langage mathématique, quelque chose qui est assez impondérable, ça reste difficile. OK. Ben, malheureusement, ça va être tout. Je pense qu'on vous aurait retenu pour encore beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on a poussé un petit peu plus loin notre réflexion en connaissance de l'intelligence artificielle. Alors, écoutez, merci encore. Donc, merci à l'auditoire. Vous êtes invités à la pause café, donc Salon Saint-Laurent, et puis après ça, à vos salles respectives. Merci et bonne journée.